Et salut à tous et à toutes, c'est Quatre et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre let's play du coup sur Oblets. Le petit let's play au calme, un peu en mode Stardew Valley. Voilà, j'étais fatigué. Putain, je me rends compte que j'ai la voix du matin, horrible parce que je tente rarement le matin. C'est bon pour ça. Fantasy Story. Plus d'énergie de toute façon, donc autant dormir jusqu'au lendemain. On a peut-être des graines qui allaient être prêtes. Si c'est le cas, c'est cool. Je vais faire deux siestes avant de pouvoir faire la nuit. Bon, c'est pas grave. Puis on va continuer un petit peu les quêtes tranquillou. Ah ouais, non, mais d'accord, ok. Ça fait quasiment rien passer. Bon, ça donne quand même beaucoup d'énergie. Donc je vous avoue qu'on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Rien n'est prêt encore, il manque encore un quart de jour pour chaque truc. Après je vais peut-être déblayer. Hein. En mode aller. Hein. Parce qu'on va bien finir par déblayer ce terrain. On aura besoin de tout l'espace, mais... bon. Ça rend mieux si c'est propre. Après, je sais plus ce qu'il fallait comme ressources pour les différentes quêtes que j'avais. On va déjà caser ce qui est tout proche. Après, si on a besoin d'agrandir le champ par ici, on pourra. Et puis voilà, bisous le truc, ça nous en fallait, je crois. C'est juste cette ligne là. Ah, j'ai plus d'énergie, ok. J'ai un peu épuisé. Je fais la gueule, hein. Tranquille. Ok. Go. Oui. J'ai un peu épuisé. My bad. Genre, faut qu'on répare la machine à imprimer des stickers. Et je sais plus le reste. Apporter 6 rambées. 10 bits le truc et une jolie bête. Donc il nous manque juste la jolie bête. Je pense que c'est le seul truc qui est en rouge. Et t'as mis 3 commandes au Pulux. C'est pas bon quoi. La jolie bête, on l'aura demain. Ça c'est bien. Je vais ici pour les commandes. Qu'est-ce qui nous manquait? Les maïs. Ah ouais, ouais. Ah, et des jolies bêtes aussi. Et des étoffettes. Donc on va acheter du maïs en vrai. Je sais pas. Est-ce que c'est encore ouvert? C'est ouvert. Est-ce que combien ça coûte en fait? De fait, ça coûte 32 la graine. Ça coûte cher. Ah, le maïs, c'est pas cher. Ça fallait combien déjà? Ah, j'en ai seulement 10 en stock, je prends. Après, j'ai pas. Est-ce que je commence à couper? Ouais, j'ai pas assez d'argent, je vais pouvoir en planter 3. Il faudra qu'on le fasse forcément un jour parce que. C'est pour ça qu'on a lui. 20. Bon, faut que je fasse deux fois ça quoi. Donc demain faut que je rachète des trucs. Jolie bête, je peux en racheter en vrai. Il en faudra beaucoup. Il en faudra 15. Ouais, je vais faire ça. Et je vais regarder de nuit s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Ok, on peut acheter 10 par jour à chaque fois de chaque truc. Ok. Ok, ok. Après, c'est pour son 2 jours, donc ouais, ça va. Cher journal, une nouvelle personne vient d'arriver en ville. J'avais déjà récupéré ça. Bon. Pardon. En vrai, je pense qu'il n'y a rien. Je pense qu'on peut acheter et se coucher, vu qu'on n'a pas d'énergie, on va rien planter. On plantera tout demain.
Pour l'instant, je gère pas forcément bien mon énergie. Bon. Je sais pas s'il y a des saisons ou si c'est juste en fonction des saisons réelles. En mode, ils mettent des patchs d'Halloween, des patchs de Noël et tout. Et je sais pas si c'est lié à la saison ou si c'est lié à la période réelle où vous jouez le jeu. Quoi. Ok. Piafer, Freddy Frites. Ok. Ajouter graines de maïs, c'est quoi ça? C'est juste mon inventaire, je crois. Genre, je peux stocker des trucs. En dehors de chez moi. Je me suis dit que l'écrabouilleur que j'ai fabriqué pourrait être utile. Cette machine permet d'écraser des ingrédients pour en faire de la farine de maïs et du fructose, par exemple. Il suffit de la poser dans ta ferme et de mettre un doublet à la tâche. Tu peux fabriquer d'autres écrabouilleurs à l'aide du fabric Cooper dans mon atelier. Transformer les plantes dans différentes poudres. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Sprint a mis un fabric Cooper à disposition de son atelier. Il met le détour. Tu peux t'en servir pour fabriquer des objets essentiels pour ta ferme, comme des cucumbers, des arroseurs, des écrabouilleurs ou des chemins. Ils t'aideront à rendre ta ferme plus productive. Pour commencer, voilà quelques dalles de chemin en bois. Oh. Putain, j'ai eu tellement de courrier. Pas comme dans la vraie vie en vrai. Bref, pense à jeter un coup d'œil à la fontaine à vœux qui trône au centre de la ville. On l'oublie souvent, mais c'est une source d'émerveillement, de joie et d'un tas d'autres trucs si tu as des vœux à y jeter. Ok. Et donc là. Mes poches ont déjà peine à craquer. Et bah, on va. Faire ça. J'ai acheté combien? J'ai acheté 2 fois 10 graines, je crois. 2, 3, 4, 5. Ça fera 10 ici. Plus, techniquement, plus que 10 ici. Donc, en vrai, on sera bon. J'ai pas forcément besoin de prendre plus. Après, allez, on va faire un beau carré. Enfin, un beau rectangle plutôt. Je sais pas si genre la terre comme ça, si j'y mets rien, elle finit par se remettre normale ou sinon. Déjà nouveau badge, je vais devoir en coudre d'autres fissa. Planter 15 graines. Parce que... Et 80 jetons de vœux. C'est génial. Ok. Ok, je peux récupérer ça du coup. Non. Qu'est-ce que j'aurais à vie dans mes poches? Je vois pas ce que j'ai en quantité excessive. Ouais d'accord, j'ai un peu de tout. Pousse express. On va le mettre dans la valise. On s'en fiche. Ah mais ça, pour avoir un nouvel ami, ça je veux. Ouais, tout ce qui est bouffe, en vrai, je pense que pour l'instant... On n'en a pas forcément besoin. On a trop de trucs, j'avoue. On n'a pas beaucoup de stockage ici. Hein. On va poser cette machine-là, ça nous fera de la place. On va planter... ce qu'on peut planter. Allez, on s'en bois, ça me paraît pas mal, j'en vais essayer aussi. On va voir. Bon, comme d'avancer. Comme vous l'avez remarqué au premier épisode, c'est à la cool. À la méga cool. On se met pas de stress. Je sens que ça m'amuse. Puis voilà. C'est un peu de let's play sans fin. Je vais planter les 10, mais dans un ordre un peu moche. C'est pas grave. Hop.
Voilà. Ensuite, 2 pour avoir un nouveau pote. Ensuite, on arrose tout. Enfin, j'allais le remplir. Des chemins aussi, ça va être mince, ça peut être marrant. Genre d'en mettre tout autour, peut-être en milieu, je sais pas du tout. Je sais pas ce qui est optimisé, de quelle taille de parcelle. En vrai, si on en achète 10 à chaque fois, idéalement, faudrait faire des parcelles de 10, quoi. Après, là, j'ai planté n'importe comment, mais... Mais c'est pas grave. Je dois reprendre de l'eau. Hop là. Nickel. Alors, les jolis billets, du coup, pour la commande, ça va être bon. En tout cas, pour les badges. C'était cool. Ça fait longtemps qu'on a pas fait une bataille doublette. Aussi, il faudrait qu'on fasse ça. Je sais plus si on a une quête pour. En fait, je crois que ce qui est vert, c'est ce que j'ai déjà mis dans, dans sa caisse. Boutique de vêtements, ah, c'est vrai qu'on l'a déjà vu de toute façon. Et ça, je pourrais danser contre eux maintenant, du coup, vu que j'ai ce qu'il faut. Et donc, je vais pouvoir avoir un comme ça après avec moi, trop bien. Mon équipe 2 contre 2. Et bah, go. Go, go, go. Donc, 3 de buzz après 2 tours d'échauffement. C'est vrai que j'ai pas la mécanique de buzz. C'est la mécanique à lui, quoi. Est-ce que ça booste les autres cartes? Je crois que ça c'était des cartes à 2 à la base. Ça fait 3, je crois que c'est à cause du buzz. Je pense. Ça plus qu'un. Les 2 contre 2, ça va aller plus vite, quoi. Enfin, je sais pas si on a. J'ai pas fait gaffe si on avait plus de points. On a 4 points d'énergie. Donc non, je crois qu'on a pas plus de points, juste qu'on a 2. C'est un tempo supplémentaire. Je sais pas si c'est juste pour le tour actuel ou pas. Ça, parce que j'ai envie de faire l'autre. Ouais, je pense que... Sans ça va, c'est pas non plus. Ah, 5 points, j'aurais dû faire ça, ça aurait été mieux. Tant pis. J'ai pas fait gaffe. Genre, je pense qu'on aura l'avantage. Hein. Ça reste des petits houblettes sauvages. Donc bon, c'est ton tour. Ok, je pourrais avoir ça. Si j'ai envie. Ah, c'est vite. En plus, octroi 10 points. Ouais, non. Ok. Ça s'éclate en fait. Ajouter une carte à la main, je pourrais faire ça, mais bon, ça ne servira à rien sauf si c'est une carte à 0 ou à 1. Ça sera une carte à 0 plutôt. Bah. Ils ont aussi des grosses cartes en vrai. Hein. Mais bon, je pense qu'ils ont plus de chance. Puisque si je fais ça, c'est gagné. Est-ce que du coup j'aurai 2 graines ou est-ce qu'il faut que je choisisse? J'attends sur la victoire. Niveau supérieur, magnifique. Prendre la graine, oui. Bravo, Piétifeuille, c'était super. Yes, moi j'ai que celui du principal du coup. Du coup, je me demande si j'étais parti avec un seul oublette, si ça l'aurait fait ou pas. J'arrive à Ara. Ouais. Voilà.
qu'il me fallait pour réparer mon imprimante. Et ça tombe bien parce que j'ai l'impression que sans stickers d'amitié, notre société sombre peu à peu dans le chaos. Grâce à toi, les stickers recommenceront bientôt à circuler dans Badgeville. Ça s'appelle Badgeville, donc s'ils n'ont pas des stickers, des badges et tout. Yay! Je me demandais quel genre de musique vous écoutez là d'où tu viens. Bon, ici on a deux styles de musique, l'ascenseur et la musac. Quoi? Oh là, il faut absolument que je te fasse découvrir la musique d'Oub, comme mon groupe préféré, Superpuissance de la Courbe. Ouais, grave. Ça a l'air génial. Ouais, je peux prendre ça si j'ai envie. C'est pas très bien payé. Mais bon, je dois l'avoir. Je sais pas si j'ai sur moi. Si j'ai ça sur moi. Hop. Est-ce que les jolis bêtes, j'ai sur moi? Voilà, non, je sais pas. Ok. De toute façon, je pense que je vois les jolies bêtes avant les maïs, donc. Donc, ouais. Alors, on m'avait dit la fontaine de vœux. Mais faut que j'aille voir les fringues aussi. Fringues de style, évidemment. Ok. Oh, la banane, elle fait envie quand même. Hein. Les dossiers font envie. Allez, lunettes. N'ai pas de lunettes. C'était catastrophique quand même. Où est-ce que je peux me restyler déjà? J'ai oublié. Là. Voilà, bien mieux. J'ai l'impression d'être une mamie, mais tranquille. Attends, pas le masque en plus. Là, ça me paraît bien. Ça me paraît parfait, je me bats avec mon... Bon. On a un roseur sur le côté. Tout va bien. Les locaux n'ont toujours pas remarqué ma présence. Les opérations continuent comme prévu. Agent. Ok. Ah oui, d'accord. Donc quand je gagne des niveaux, je gagne des vœux. Et les vœux, je peux les foutre ici pour avoir des ressources. C'est sympa, ça. Extension aux graines de reine. 75 vœux, j'en ai 150. Ouais, non, mais... Plus niveau 2. On va faire ça pour avoir plus de graines, c'est marrant. Les blettes, j'aimerais bien. Et ensuite, il me reste plus que 25. Arrose automatiquement une zone de 3x1 dans ma ferme. C'est un peu nul, hein. Ça coûte si cher. Ok, hein. On verra. Ah, trop mignon, ce haut. Merci, genre, j'ai rien changé, mais c'est ok. Est-ce que j'ai laissé mon mini four allumé? Où ça? Est-ce que je veux des frites? Allez. On a fait des carreaux pour ça. Est-ce que je peux me lancer en un? Non, je pense qu'ils sont forcément deux, donc faut que je me lance en deux contre deux. C'est pas mal. Et je pourrais faire un tempo supplémentaire pendant que je pourrais en faire 4 plus 1. Ouais. La carte à 4 plus la carte à côté. À 2. Okay. C'est le mieux que je pourrais faire de toute façon. Ce qu'il y a, c'est que ce jeu, c'est vraiment envie de bouger la tête entre la musique. Puis même fait que tout le monde bouge un peu la tête en mode genre let's go, il y a la musique et tout.
J'ajoute 3 cartes stress inutile au jeu adverse. Mais c'est vrai. C'est trop fort. Je vais utiliser ça. Tu vas utiliser tous nos points. Hein. Oh, c'est très fort. Après, moi, je vais avoir les. Le tempo en plus là. Ça, j'utilise de toute façon. Je pense que c'est valable que pour le tour en cours. Ça se trouve pas du tout. Donc, j'aurais dû quand même l'utiliser, mais bref. Avec du stress. C'est vrai que c'est un peu chiant. Je pioche. Est-ce que j'ai vraiment pas de chance et à chaque fois j'ai pioché, j'ai toujours pioché une carte qui pioche. Ah putain, mais du coup j'ai une carte moins bien. Tant pis. C'est la vie. Je voulais les frites. Je vois un build. Un build de stress. Points, c'est pété. Ça c'est vraiment pété hein. Ah, je pense que j'ai gagné là hein. Allez. Oh, la gueule qu'il a lui. Il y en a qui ont l'air un peu sous coca mais c'est bien. Je prends la graine. Est-ce qu'on peut vraiment ne pas prendre la graine hein. Si on n'en veut pas, juste pour le plaisir d'avoir XP. Bravo, c'était super. Prout. Ok. Oui, ça parle un peu à tout le monde. Hey, il paraît que tu viens de l'île Ico Presto. Je me demandais, c'est vrai que les gens mangent les houblettes là-bas? Ah bien sûr que non. Par contre, les oublettes ont été bannies de l'île il y a très longtemps. Ah ouf, c'est triste qu'ils aient été bannis, mais je suis rassuré qu'on n'en serve pas à tous les repas. Est-ce que vous croyez que les Pokémon, genre dans le monde de Pokémon, on bouffe des Pokémon? Je pense que je ferais un excellent escroc. Mais oui, bien sûr. J'ai quoi comme autre quête? Où est-ce que je vois mes quêtes déjà? C'est, je connais plus tous les menus. Je crois que c'est juste ça, c'est les quêtes, hein. Et ainsi que ça. C'est quoi les 20 machins, là? Augmente la taille de ta maison. Comment j'augmente la taille, déjà? Je sais plus, quoi. Je ne sais plus, parce que là, j'ai des meubles. Mais pas sûr que... Quoique, si, ouais. Ouais, si, c'est ça. Ok. Très grande maison. Oh, ça coûte si cher. Grande maison de 2000. Ouais, c'est cher. Ça, c'est quoi? Donc, alors. Par qui a un peu plein de trucs, quoi. Des nets où les houblettes peuvent se détendre ou t'aider à entretenir ta ferme. Ils participent ainsi au jardinage et accélèrent la croissance de tes plantes. C'est bien, ça. En vrai, j'ai quasiment tous les matériaux, parce que l'obsidienne, j'en ai chez moi. Au fait, je sais pas si j'en ai 3 par contre. Je sais que je l'avais sorti de l'inventaire, mais. Et toi, j'ai passé du temps chez toi. Hein. Non, je vais pas l'acheter, j'ai envie de parler avec toi. Une boîte de substitution à Oopnet. Ok, alors c'est la boîte aux lettres quoi. Alors comme ça, tu t'installes en ville, je m'appelle Sprint. Je conçois et fabrique des meubles pour ma boutique, Makawai. Quand tu auras besoin d'acheter de quoi meubler ta picoque, viens me voir. Pas de soucis. C'est vrai que c'est un peu triste chez moi pour l'instant. Mais bon, qui s'en fiche de à quoi ça ressemble chez soi, du moment qu'on a le style, hein. C'est horrible. Oh, salut. Comment ça se passe avec le grimoire? Il ne t'a pas explosé à la figure? Le grimoire? Le livre magique que je t'ai donné. On appelle ça un grimoire. Ah, ça! Jusqu'ici, il s'est avéré très utile, mais relativement inanimé. Ah, bien. Normalement, il devrait rester comme ça. C'est rassurant.
Je crois qu'il nous avait dit qu'il nous détestait, mais bon. Oh, c'est toi. Gonzalo. Ah oui, ça va être ça. C'est vrai ça. Oh, je ne sais plus quel sens mettre ma casquette pour prouver au monde que je suis cool. Tu as un bonnet, pas une casquette, mais c'est pas grave. Flamme un peu de palais à tout le monde. Est-ce que j'avais des trucs à l'intérieur? Oui. Un peu. Je vais pouvoir pêcher. Oh, toi, j'aime bien le tien. Une petite couronne. Mais je pense que, genre, la couronne, c'est juste un truc que je peux rajouter sur n'importe lequel, je pense. Parfois, j'ai l'impression que tout ce qui sort de ma bouche est banal et stupide. Mais non. Allez, go. J'ai un hameçon, quoi. Enfin, un appât. Et ben, on va pêcher une fois. Qu'est-ce qu'on a eu? Du dégélisant. Super. Super. Et ben, ok. Nous voilà. Bien avancé. On peut s'amuser à collecter ça aussi si on veut. Ah, les gens qui fredonnent en public me donnent la chair de poule. Ok. Courbillon. Ok. Peut-être essayer de, ouais, de me concentrer sur la maison là, du coup, pour l'augmenter. Je sais plus ce qu'il fallait. C'est dommage qu'il me le marque pas là. Piquant et sucré, il contient trop d'énergie. Bon, ok. Pas trop d'énergie. Bon. Revérifions. Ah, c'était juste 2000, ok. C'était quoi alors la recette qu'il me fallait? Ah oui, c'était pour la petite cabane de jardinage. Enfin, c'est que les planchettes, je les ai virées, donc il faut que je les récupère devant chez moi. 3 étoffettes, une obsidienne. Bon, faut que je garde ça sur moi. Et que j'aille voir, parce que si je mets des petites maisonnettes et que je mets un houblette à l'intérieur, il va pouvoir arroser mes plantes, pour moi. C'est un peu l'esclavage, mais... Mais imaginez, genre, vous avez un jardin. Et si vous mettez la niche pour votre chien ou votre chat, il s'occupe de votre jardin, franchement. Trop bien. Ok. Ça va, il y a beaucoup de planchettes. Là, je casse un énorme bout, il y a une planchette, je casse un tout petit bout, mais beaucoup plus que ça, quoi. Après, peut-être que ça se cumule ici, ouais, ça, je pense que ça se cumule. Ok, j'ai combien? 10, il m'en fallait 12, 10, je sais plus. Je vais casser pour être sûr. Voilà, on prend la marge. 14. On est bien. Donc il nous fallait 14. Et il nous manquait une obsidienne. Et 3. Comment ça s'appelle, mais je sais à quoi ça ressemble. L'obsidienne, on l'a. Et 3 trucs qu'on a plus. Ah ah. Enfin, on va peut-être planter les graines qu'on a aussi, des houblettes. Et ce truc-là aussi, il faudrait qu'on le place. Et le dégélisant, on s'en fout. Il y en a des planches aussi à poser, si on veut. Tout va bien. On va commencer par quoi? Les houblettes. Ok. Ensuite, les planches. Je vais les placer comme ça. Est-ce que je fais des petites parcelles, genre 3 par 3? Ou il faut que j'en fasse des 4 par 4? Je sais pas, il faudrait que je vois
Le système d'arrosage plus tard, comment il sera? Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant pour les planches. Et on verra, genre on fera un contour et le milieu quoi. On va peut-être arroser aussi mais les petites soublettes. Un jour, ça va. Et donc il me fallait les étoffes machin là. Que je trouve un peu partout dans la ville. Donc ouais, écoutez, on va faire un petit tour en chercher. C'est bien parler un peu à toi. Oh, je te conseille de faire une sieste. Ça, j'ai l'air un peu crevé. Peut-être les manger. On va juste les manger. Je mange ça. Il faut que je fasse manger dans mon inventaire. Comment je fais pour le manger? Je ne sais pas. Juste qu'on allait être fatigué. C'est pas grave. Comme dans la vie. Développer la réserve, sauvage jusqu'au niveau 2. C'est parti. Il s'est passé quelque chose de très étrange dans la réserve sauvage. Tout le monde en ville a entendu un énorme bruit. Mais quand on est arrivé ici, l'endroit était désert. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que les houblesses du coin sont terrifiées, terrorisées. La plupart ont fui, et ceux qui sont restés sont devenus très farouches. Je voudrais revitaliser la réserve et la repeupler en trouvant de nouveaux camarades de jeu pour les houblettes locaux. On affichera ici nos besoins pour notre campagne de repeuplement, mais tu peux aussi relâcher autant de place que tu veux si tu n'as plus de place dans la ferme. Avec ton aide, on va faire de la réserve sauvage un super refuge pour Oblets. Est-ce que dans Pokémon on peut relâcher vos Pokémon? Oui. Mais bon, quand même. Progression de réhabilitation, il faut 50, c'est énorme. Ramasse toutes les boîtes de conserve dans la réserve sauvage. Je veux le faire ça. Je peux ajouter un truc ici si j'ai envie, ça mettra sans doute rien d'objet. Ok. Est-ce que je peux y aller? Ah, le problème c'est que je... Ouais, non, je suis con. J'ai plus d'énergie. Donc ça me sert à rien d'aller les chercher. C'est pas grave. J'irai demain. Dans le jeu, évidemment. Bah, déjà, si on arrive à faire la petite maison à houblettes, ça veut dire qu'on aura. C'est-à-dire qu'on pourra potentiellement utiliser moins d'énergie pour notre ferme et donc plus d'énergie pour le reste. Il y a vraiment zéro fois la plante qui m'intéresse là, vraiment. Dans toute la ville. Vraiment quoi. Vraiment. Bon bah ok. Est-ce que ça me prend de l'énergie de combattre ? Du maïs pour le. Pour eux. Dommage. Derrière toi, c'est la plante qu'il me faut, non? Oui. Une. Plus que deux. Bah, après, je vais peut-être passer à côté sans faire gaffe. Bon, j'en vais vérifier, je vais me coucher, lol. Le mec, il va se coucher. Début d'après-midi, mais bon, c'est pas grave. Enfin, fin d'après-midi. Non, j'ai pas l'impression. Ici non plus. C'est vraiment aléatoire comment ça pousse. Tant pis. Tu veux qu'on commence à essayer de faire de la moula. Attendez, du coup on parle de moula. Faut que je vois si j'ai assez pour racheter des graines. Caoutchouc, tortigraine, jolie bête. Teddy chou, plumifleur. On achète des trucs au pif, hein, je pense. Trop cher, ah oui d'accord. On n'a pas le même budget, on dirait.
7 jours à pousser. Pompadour. Allez, on va faire le jus de Pompadour. L'aide d'un justifieur pour 105 jours. Mais j'ai pas de justifieur, donc je suppose que c'est pas ouf. Ça, juste ça pour 107 jours. Je vais en prendre 5. Ça coûte super cher. J'espère que ça vaut le coup. Mais je suis débile, je pense que j'aurais dû prendre du maïs ou du joli bête, parce que c'est ce que lui voulait. C'est pas grave. Oh, ça fait trop plaisir que tu nous donnes un coup de main avec la réserve sauvage. Si tu manques de place à la ferme, tu peux déposer tes oublettes à la réserve. Tu pourras venir les chercher quand tu voudras. C'est bien ça. Est-ce que je voulais faire un truc ici? Je sais plus. Oui, poser ça. Je peux pas le placer. Ici, je peux le placer, ok. Voilà. Bon, je veux pas mettre un... Je vais rien mettre dedans pour l'instant. J'ai pas besoin d'ingrédients. On a juste besoin d'aller dormir pour l'instant. Ouais, c'est vrai que notre maison elle est triste un peu. Hein. Mais je sais pas si juste l'agrandir, ça serait la meilleure solution. C'est la quête qu'il faut, mais... Ou si juste d'un premier temps, on ne sait pas, juste changer le lit, changer les trucs comme ça. Je crois que je vais voir chez le coiffeur s'il y a des nouvelles coiffures. Non, faire de l'argent, faire de l'argent. Et ok, on est pas encore demain. Après, vu qu'on a récupéré un peu d'énergie, on peut potentiellement commencer à utiliser cette énergie pour la réserve. Ça serait le plus optimal. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va peut-être qu'il y aura de l'étoffe faite là-bas aussi. J'aimerais bien. Ok. Là, c'est fermé, je vais pas y aller. Là aussi. Youpi. Et alors, zéro est au fait. Ici, je n'en sais rien. Ok, et eh bah ben, génial. Est-ce qu'il considère que je l'ai fait? Ah, il faut que je le valide ici, d'accord. Okay. Ok, nickel. Bon, bah, go dodo. Gododo. Mission. Demain, il faut qu'on trouve deux étouffettes. Et une nouvelle graine à planter. Je suis bête, j'en ai plus maintenant. J'ai encore un peu d'énergie. J'en ai acheté combien déjà? 5. Ça me demande de l'énergie de les planter. Je m'en ai à mon avis, oui, mais bon. Ah bon. Un d'énergie. Ah, je vais vraiment être au bout du trou, quoi. Il me reste 3 d'énergie. Ah, il faut que j'arrose aussi. Ça te coûte combien d'arroser? Je peux en arroser 3. Là, je vais tomber. J'ai envie de le consommer, mais je peux pas. Genre, mange-le, quoi. Tant pis. Tu veux t'en faire demain? Ah oui, il y a le mec qui dit que c'est un du valet. Si vous allez vous coucher trop tard, eh bien, vous ne commencez pas la journée de demain avec toute l'énergie que vous auriez dû avoir. Alors, ce soir, je me suis couché super tard. Hier soir. Du coup, j'ai moins d'énergie aujourd'hui.
nouveau que j'ai jamais vu. Lui, on a déjà vu en battle derrière nous. Je vais voir. Lui, j'aimerais bien l'avoir. Je sais pas pourquoi. Il a l'air d'avoir un look sympa. Même si moi, le prochain que j'ai envie d'avoir, c'est le poisson. Même si je pense que je l'aurai pas tout de suite. Quoique, en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. Le spawn des houblettes en ville. Alors, j'espère que ton installation en ville se passe bien. Si tu n'es pas encore au courant, je voulais te dire qu'il existe des houblettes super rares. Ils sont très très difficiles à trouver. On les appelle les brillants parce qu'ils brillent. C'est shiny quoi. Ok. Donc il faut que j'arrose ça. En même temps, la terre elle a l'air d'être arrosée. J'ai pas besoin de les arroser tous les jours. Mieux c'est 24 heures pile. Et donc, dans 20 heures pile, au moment où je les aurais plantés, il faudra les réarroser. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Là, dans mon jardin, si je peux pas avoir des étouffettes. J'ai pas l'impression. Non. Ok. Ok. Un jour, on va nettoyer tout ça. Hein. Est-ce que je peux les activer? Et en fait, tous les jours ça change. Et je peux en verrouiller une en mode genre je la veux. Mais là j'ai perdu du coup celle que j'avais verrouillée. Vu que je l'ai annulée. Ah, je peux même carrément les refuser en disant ça, j'ai pas envie quoi. Ok. C'est là. La vie est dégueulasse, mais okay, ma mission du jour c'est ça. Du coup, toujours à la maison, on l'aura pas avant le moment. Et maintenant, c'est à discuter avec L2. S'il bouge jamais, je sais que elle est sur la plage. Ok, une obsidienne. Je lève tous mes mouplettes en liberté. En fait, je les soupçonne d'avoir d'autres maîtres que moi. Mais tant qu'ils sont heureux, je m'en accommode. Yes, les cheveux verts. J'ai vu si c'est celle qui est sur le ponton. Non, c'est pas elle. Cheveux verts détachés, je crois qu'elle est chez le coiffeur. Oh, peut-être que la ville serait plus agréable sans toutes ces boîtes de conserve. C'est vrai. C'est un vrai dépotoir. Après, bon, j'ai pas trop envie de pêcher du digivorant, quoi. Ah, c'est le nouveau. Vous voulez quoi? Des nouilles. Mais j'ai rien, ça. Bon, arrangez pas, les potes. Alors, on ouvre bien l'œil pour les étouffer. Oh! Quel beau chapeau. Guide de coiffure numéro 28. Ok. Le client n'est pas encore ouvert ici. Je sais plus quelle fois je l'ai fait. Fabien Padridge, j'espère que tu passes une bonne journée. Eh, t'as rien, j'avais dit oui, merci, et toi, partout, bonne journée. Merci. Coiffeur, est-ce que je peux me faire coiffer? Ah oui, si je peux. Évidemment, ça coûte de l'argent. Bah, ça me paraît parfait. Hein. J'aime bien, ouais. Après, est-ce que ça vaut le coup que j'achète des coupes de cheveux alors que. Il faudrait juste que j'achète. J'achète des graines, quoi. Des coupes sympas, hein, mais. Non, je regarde ce que j'ai pour l'instant. On va rester raisonnable.
On va chercher les cheveux verts. On la croisera peut-être par hasard. Je voulais faire autre chose, mais je sais plus. Oui, les étouffettes. Je suis bête. Putain, il n'y en a pas. Parce que je devrais savoir que j'en ai pas besoin, genre. Et les fleurs noires. Tous les types de champignons, mais pas ceux qui m'intéressent. Ah, en fait, je voulais te dire, ne te mets pas trop la pression pour bâtir un empire agricole et avoir des milliers d'ouplettes. Amuse-toi et prends ton temps. Bon, j'y comptais bien, merci, c'est gentil. Il y a zéro, quoi. Me dis pas que je vais être obligé de les acheter dans la faute d'un aveu, quoi. Je vais le faire, mais... Mais bon, les ressources, on peut la trouver dehors, c'est dommage. À chaque fois, quoi, en plus. C'est un peu cher payé. Hein. C'est un peu de l'arnaque, hein, si tu m'en dis. Mais. Normalement, du coup, j'ai tout. Mais je vais pouvoir construire ma maison à Oblets. Maison de 2000. Okay. C'est cher. Mais on va y arriver. Petit tour, évidemment. Important. Mon rituel Animal Crossing, c'était toujours ça. Oh, des de soleil pour montrer à quel point je ne suis pas sociable. Ça pourrait être bien aussi. Un t-shirt marron. Je peux pas voir ce que ça fait sur moi avant de le porter. Ah, c'était vraiment mon rituel, hein. C'était ma vie ça, dans Animal Crossing. Hein. Tous les jours j'allais à la boutique, j'achetais des fringues. C'était vraiment ma vie. Et je l'ai récupéré, je suis trop sympa. J'ai plein d'énergie. Alors les gars, il me fait le maïs. Pour les commandes. Mais je peux dire que je peux planter de l'étouffette. Mais ça coûte cher, 32. 32 la graine, ça me paraît cher. Maïs. Ah, je peux en avoir plus que 10 en fait. Ok. Moi, je vais pas en prendre trop non plus. Oh, qu'est-ce que tu veux me vendre? 100. Ah mais non mais d'accord, c'est ça je vais garder pour les combats potentiellement. Non mais 100, le coquillage rare là que j'ai trouvé. Ah ouais, non mais d'accord. C'est pas le même jeu là. Je vais juste me transformer en chasseur de trésors. Juste ce qui est autour d'eux. Parce que c'est ça, c'est pas ouf, hein, mais. C'est-à-dire, faut mettre une ici à chaque fois. Et genre une ici après. Ouais, je vais faire ça, hein. Et du coup, je suppose qu'il faut que j'assigne un oublet après à l'intérieur. J'avais raison, les plantes c'était bien ce que je pensais, donc ça marche par tranche de 24 heures. Donc genre elle, vu que je les ai arrosées le soir, normalement je devrais les réarroser que le soir. Ok. Mais on va quand même les arroser tout en même temps. Parce que bon. Sinon on va s'embêter.
de voir tout arroser tout le temps. À des heures différentes. Parce que je suis en... Ouais, l'arrosage c'est long, ouais. Parce que ça utilise beaucoup de... Genre on arrose ça en 3 fois, quoi. Ça me paraît énorme. Mais bon. Donc on a racheté des plantes, hein, je crois, oui. Donc faut que je replante. Oh! J'avais planté ça. Attends, j'avais planté ça ou comment? Je l'ai récolté comment? What the fuck? Je sais pas ce qui s'est passé. C'est très bizarre. C'est surnaturel là. Je vais reprendre encore de l'eau dans mon arrosoir. Wow. Ah ouais, faut vraiment qu'on l'améliore au niveau de. Même si je pense que ça va coûter super cher. On n'a pas encore les ressources. On va tourner qu'à l'épisode 2. Bon, par contre, la maison d'Oblette, ce qui est un peu pas ouf, c'est que. Bah, là, elle est tournée vers l'intérieur, j'ai l'impression. C'est un peu drôle. Mais pour l'instant, j'ai besoin des deux en fait. Moi, je construirai ça plus tard. Enfin, je mettrai un oublet ici plus tard quand je n'aurai qu'à me pousser ici. Ça sera une forme dégueulasse, mais c'est pas... Non, je voulais pas faire ça. Je vais enlever des mauvaises herbes. Et puis, écoute, on va planter un peu ce qu'on a. Les 2 graines de... qu'on a récupérées. Il doit y avoir d'autres graines qui attendent. Oui. On va les mettre autour de la maison. Mon terrain sera horrible. Mais bon. Enfin, horrible, non, mais. Ça sera pas très optique, quoi. Ok. Ok, donc ça, c'est bon. Un nouveau blé, mais j'ai quand même 3 graines de blé qui vont pousser, donc on va peut-être pas abuser. Hey, mais c'est pas toi, cheveux verts? Si, toi. Ah, je n'ai pas réussi à convaincre mes parents de plafonner le loyer de ma chambre. Nice. Ok. Oui, whoopidoo. Franck, je vais déjà regarder. Hein. Purificateur d'air. Ça coûte cher. Après, si ça nous ajoute des barres ici, ce serait trop bien. Ajoute 5 emplacements supplémentaires à ton inventaire quand tu portes n'importe quel sac. Ouais, non, mais il faut ça. Hein. Il faut ça aussi, surtout. Putain, faut que j'arrête. Je suis désolé. Hein. Mais genre, comment résister? Voilà. C'est stylé. Magnifique. Est-ce que j'ai envie de me changer? Short marron, collant kaki, petite salopette sombre. Ouais, pour ressembler à... Ah, voilà. Jean vert. Bon, le vert, niveau jean, peut-être moyen. Ouais, faut que j'économise mon argent, hein. Mais c'est dur, hein.
croyez-moi, c'est dur. On y arrivera peut-être un jour. Voilà, je suis comme ça. À la base, ce que je voulais voir, c'est ce que j'ai assez d'argent pour. Peut-être acheter un meilleur meuble, un meilleur lit, peut-être. Parce que là, bon. On essaie de coûter cher. 150. Pas si cher. Bon, après, on peut dormir sur un fauteuil. Hein. C'est triste. Non, il faudrait que j'économise pour la maison. Ouais. Après, pour l'instant, le plus rentable qu'on a eu, c'était. C'était un coquillage magique, hein, donc. Alors, vous voulez quoi pour danser? Des fruit bowls, j'ai pas. Et vous? Tarte ou Birmix, j'ai pas non plus. Ah, non, mais si vous voulez tous ces trucs différents, ça va être embêtant là. J'ai récupéré des coquillages. Castérobe Globe. Okay. Oh, un truc rare. Non, je crois que c'est juste un. Une obsidienne, ouais. C'est pas glorieux. Hormis le coquillage super rare. Je vais aller revendre des coquillages, voir ce que. Oui, ça vaut le coup, je ferai des missions coquillages tous les jours. Hein. Est-ce que c'est le même mot que j'ai vu hier? Oui. Le coup continue à nettoyer les preuves implantées. Il nous en faudra plus, agent. Les preuves implantées, les déchets? Je sais pas. J'aime pas ce que valait le. Combien valait le truc, hein, l'arrosoir. Ah ouais, c'est pas glorieux les coquillages. Hein. 3 bons becs par coquillage. Ok. 1 l'unité, ah ouais, c'est vraiment nul. Hein. C'est vraiment nul. Après, si je fais ça, j'atteins les. Et non, je les vends pas. Hein. Les 100. Oh, je suis retourné à 100. Magnifique. 250 pour l'arrosoir super en or. Est-ce que je vais racheter des graines? Je ne sais pas. De toute façon, il y a un. Il y a un site qui résume un peu les meilleures offres. Ça, je prends, je l'active. Puisque les maïs, on en aura. C'est le plus qu'on aura. Développer les réserves sauvages jusqu'au niveau 2. On va voir. Est-ce qu'il y a une nouvelle mission? Après, j'ai plus beaucoup d'énergie et tout, mais bon. Ajouter un abricorn supplémentaire à la réserve sauvage. Bah, allez, hein. Pour la quête, je peux la récupérer juste après si je veux. Si je veux. Ok. C'est fait. Merci. Je le reprends. Il n'aura pas tenu très longtemps. J'ai collé un nouveau badge. Il est en chemin. Ok. Je vais te demander de venir les chercher au lieu de te les faire livrer. Enfin bref, félicitations pour ton nouveau badge. Badge d'entraide. Ok. Un objet rare peut désormais te trouver dans la réserve sauvage. Oh, je vais l'explorer. Mais avant. Développer la réserve sauvage au niveau 6. Ah bon, il y a le temps encore, hein. Et je pense que j'ai. Avec. Faut attendre le lendemain. Pour avoir des nouvelles missions. Un objet rare. D'ailleurs, l'objet rare qu'on a trouvé nous a rapporté 100 balles. Donc. Aide Déborah à réhabiliter les. Débloquer niveau 10. Ah, non, mais c'est. Ok. Mais c'est. Pas pour tout de suite. Ah, mais là, ça a été ouvert. Silence, il s'agit de.
Il suffit d'une bougie de cette plante pour que de paisibles houblettes se lancent frénétiquement en quête d'un verre de jus de Pompadour. Okay, c'est des piments, quoi. C'est les piments. Je suppose que si plus on rajoutera des houblettes, plus l'endroit sera peuplé, hein, mais bon. Ça, c'est niveau combien? 6. On m'a dit un objet rare peut être trouvé, c'est que. C'est qu'en gros, il y en a possiblement un qui spawn, quoi. Ok. Ok, ok. Alors, y a pas des blettes qui auraient dû pousser, hein. Je sais plus. Je ne sais plus. Parce que de toute façon, le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est les graines. Des houlettes racines au pas de danse élaboré et subtil. D'après les légendes, des frétifrites géants parcouraient autrefois le monde. Et les gens leur racontent des tas de trucs. Oh, c'est trop bon. Ces piétifeuilles, le nom agressif des piétifeuilles contraste avec leur nature sympathique et simple à dire certains. Sur le plan taxonomique, ils sont proches des abricornes dans la mesure où les deux espèces sont toutes des petites feuilles sur leur tronc mineur. Okay. Et enfin, celui qui avait l'air vénère, c'est Clic-Griffe. Petit houblette originaire de Badgeville, la personnalité belliqueuse. Les Clic-Griffes ont tendance ont l'habitude d'occuper des bâtiments abandonnés. Ils peuvent se montrer agressifs envers les intrus. Que le jeu là. Vous dire que je prends les séries si j'ai envie. Je vais être qui Tiens, celui qui a l'air vénère. C'est trop chou, mon dieu. C'est trop chou, genre. Je peux l'améliorer avec quoi? Il faut des trucs, ok. Enlever l'herbe, les cailloux et les branches. Après, pour arroser les plantes, récolter les plantes, planter les graines, réchauffer les plantes. Oh, ouais, non, mais c'est trop bien. Il est trop chaud. Trop chaud. Et du coup, ça va améliorer la croissance des plantes, a priori. Du coup, elles pousseront plus vite en sa présence. Est-ce qu'on peut le voir en faisant ça? Je me rends pas compte. J'aurais dû regarder avant. J'aurais dû regarder avant. Bon, en tout cas, il va faire nuit. Est-ce que vous voyez qu'on peut trouver des objets rares plus la nuit que le jour? Je sais pas du tout. Si c'est le cas, je peux balader, voir si je peux trouver des trucs. Ok, j'en ai vu que c'était nul. Ah bah le même mais en... Ouais, j'avais déjà vu tout à l'heure. J'avais pas fait gaffe que c'était le même mais juste une autre couleur. C'est chaud quand même. Et bah... Ok... Tous les points c'est ceux qui sont pas pareil, c'est ça? Attends, on te dit que la ville avait une ferme gratuitement. C'est de se demander pourquoi je gâche mon temps à travailler. Oui, bon, ça va. Je travaille. Ouais, je pense qu'il y a une petite vidéo au-dessus de chaque personne que je n'ai pas parlé aujourd'hui. Mais là, j'ai pas envie de leur parler. Bon, bah, allez, on va se coucher, hein. Je sais pas trop aussi quelle durée de vidéo vous voulez le plus, enfin, est idéale. Parce que pour des let's play, 1h20, 1h30 c'est bien. Pour un jeu comme ça qui est peut-être plus posé, peut-être que ça peut être un peu plus court quoi.
Wow, ouais, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Pas le like, commentaire, partage, comme d'habitude. Et on se retrouve évidemment du coup la semaine prochaine pour la suite. Plein de gros bisous. Passez une bonne semaine. Salut.